messieurs les leaders religieux, les distingués commanditaires et sponsors de la radio STFM, les aimables collaborateurs, les représentants des différentes stations évangéliques de la ville, messieurs les musiciens, ingénieurs du son, les auditeurs et internautes, messieurs les caméramans, distingués invités, les confrères de la presse, distingués membres de l'Église des dieux et Lime, chers assistants, mesdames, messieurs. J'ai l'insigne honneur de prendre la parole à cette double célébration, la fête des dames de l'Église des dieux et Lime et celle de la radio et STFM. En Apocalypse 5, le verset 13, nous lisons « Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les ai entendus s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous inspirons également de cette citation des Ménandres, poète grec. Le fruit le plus agréable et le plus utile au monde est la reconnaissance. C'est pour ainsi dire, nous sommes reconnaissant envers le Seigneur pour la radio et STFM. Et c'est ce qui explique la raison d'être de ce culte de remerciement à l'Éternel ce matin. Radio et STFM, il y a seulement 3 ans. Jean, maître des cérémonies, a dit Daniel Hulot, c'est 3 ans de combat, 3 ans de péripéties. Peut-être que si des gens prenaient la radio, demandaient tout sacrifice à eux, ils demandaient tout débout à eux. Nous avons fait expérience en radio déjà. Mais être PDG dans une station radio, pour quelle radio a envie sur le FM, ce n'est pas une mauvaise affaire. Et moi, je comprends très vite, en plus de la radio qui commençait, je suis obligé de fermer yo, parce que vous n'avez pas qu'à quitter, surtout côté nous en province, vous n'avez pas quoi dans le marketing pour la publicité. Bref, parce que vous n'avez pas assez de temps, pendant l'année, ça a 6 radios, tout n'a pas saccagé 2 fois, tout panneau soleil nous a endommagé. Nous n'avons pas qu'à utiliser une encore. Donc, 2e fois dans la même année, ça a arrivé. Nous sommes, nous avons parlé avec un auditeur fidèle à toi, un auditrice qui était bon, un boss qui pouvait aller faire quadrillage là, dans le monde, parce qu'il y a eu 20 malheurs. Et bon, ça était content, nous monter avec elle, nous avons vu des actrices en tête maintenant, nous avons payé le monde pour nous aller avec fête première, aller avec boss, aller avec manger, aller avec panneau soleil. Wow. On va mobiliser toute une équipe pour faire le travail. Les boss arrivent dans le joie. Ils disent, si tu te connais là, il va t'appeler. On chrétien, monsieur. Ils disent déjà, je vais dépanner. Mais si on parle encore, pareil. On fait le côté comme ça, on ne peut pas gagner. Mais sacrifices nous faire pour nous faire autant de radio, mystère. Chaque radio a autant de radio. Mettre la radio, PDG, nous faisons des sacrifices énormes, énormes. Merci pour tout le monde qui est toujours pensé avec nous, qui est toujours encouragé nous dans le travail. Ça. Et allez ça encore, émetteur nous sauter. Émetteur nous
le mois de octobre, nous pas des émetteurs. Pièce émetteur, nous commandons en Chine. Nous prenons plus de temps pour nous venir. En plus d'argent. Mais la radio STL, c'est pas parce que nous prenons notre place pour la radio qui est là déjà, surtout dans mon monde évangélique. Mais la radio STL, les villes pour le bail, ça nous estime que notre radio va te faire. Et c'est ça qui est la raison d'être la radio STL. Merci parce qu'on fait notre confiance. Merci parce qu'on toujours prié pour nous. Merci parce qu'on toujours encouragé nous. Merci. Et ma profite matin pour remercier le personnel de la touriste qui l'a. Merci en pile. Nous sacrifions en pile pour faire ça. Daniel Ludor, Médine Sylvestre, Madame Astiel Seyus, Madame moi qui parle malheureusement. Mon gros merci de façon spéciale pour le support moral. Et bon, pour nous donner la ça. Maman, Madame Esther Aurélien, qui toujours supportait pour la radio, ça a capable de toujours être humain. Mais comment on est important, qui parle à la terre, c'est papa, c'est elle, c'est lui. On pense spécial pour lui. Qui t'a doué là, qui t'a commencé à planifier, qui est là avec nous aujourd'hui. Mais malheureusement, il fait stroke. Il y a environ 27 jours, il va jamais parler. Il y a un bol qui arrive. Il ne peut pas parler avec lui, il va pas répondre. Ça touche le reste dans le cœur, nous, qui va là à la terre. Les situations papa m'a vivre aujourd'hui là. Mon coin vibrer l'éternité. Bien heureuse. Dans l'Italie. Manquez pas la matin. À 1h du matin, où il est. Papa m'a pas bon du tout. Pas que dans rien pour le théâtre. Je vais faire 2 nuits blanches avant hier et hier soir. Situation difficile. Mais quand même, puisque nous avons gagné de vous la matin, nous là. Pour l'autre ami qui manquait, c'est Zaché Michel. Drôle de coïncidence, hier, pendant que je cherchais les potes, puisque nous avons gagné de vous pour le dévili, et c'est pour que nous allons chercher. Et je dis Zaché Michel, au responsable, pour jouer batterie, parce que son ancien batteur. Moi, quand il y a quelques années dans la radio de la stéréo, il songeait, il n'a pas voyagé. Il était gros, il s'en fait une parole de vie. On était pour le modèle d'âme dans la salle des nouvelles là. Mais il a dit parole de vie. Je me responsabilise pour qu'il y ait une émission ça. Et je suis content parce que Zaché Michel, il a matériel, il sortit l'Union de Jésus. Merci. New York, bien entendu, pour l'Ila avec nous matin. Je vais finir parce que dans le coup, même les 3 mois de matin, je voulais. Odoré. Je ne connais ce là. Non seulement on voit une lettre pour vous, mais je vais personnellement vous motiver sur ça. Est-ce que j'aurai Emmanuel Saint-Fleur là? J'aurai Emmanuel Saint-Fleur. Il n'est pas là, mais madame est là. Est-ce que Naoum Pierre Charles là? Non, Naoum pas là. Mais Naoum pas vous et vous visiter. Non plus. Ok. Madame Joël, vous m'avez avancé. J'ai fait passer 11 ans dans la radio Delta Stéréo. Et c'est là que j'ai rencontré avec le juge Joël, Emmanuel Saint-Fleur. Il était venu en Port-au-Prince. J'ai retourné Saint-Marc après l'étude université. Moi, j'étais en train de parler avec Joël pour que j'ai une émission dans les médias. Et c'est là que Joël t'a analysé pour que j'ai allé dans la radio Sony Plus. Et dans la radio Sony Plus, on n'a pas fait une émission Pain de vie qui gagne sur la radio STL aujourd'hui. On a commencé l'émission, mais malheureusement, on n'a pas fait une belle émission dans la radio Sony Plus. Joël, Madame Saint-Fleur, t'a dit, puisque l'émission Pain de vie sont émissions pour là aujourd'hui, il faut qu'on quitte l'émission à STL. On a fait une émission pré-enregistrée. Et on va chercher des médias partenaires qui pour faire relais l'émission. On est d'accord avec Joël. Et Joël te dit, mais toute équipe en a besoin. Et on va commencer à réfléchir ensemble. Après ça, Joël dit à ce qu'elle est capable, pourquoi on va faire la vision de préférence? On va faire la vision à ce qu'elle est capable.
Et puis là, nous allons rencontrer Naomi et Charles, qui étaient amis avant. Et puis deux messieurs qui ont accompagné mon jeune maman. Et c'est là, nous avons appelé Chita, nous avons planifié pour nous faire la radio Esther FM. Madame Esther, est d'accord? Puisque Madame Esther est son icône, Madame Esther, c'est un personnage qui manquait, c'est-à-dire le département de l'Artibonite. Environ 38 ans, la paix vestie dans le monde, dans l'Orphelina, Timon l'école, il formait des générations. Madame Esther, son sommité, elle nous dit, pour qui ça nous parle de radio à Esther? Pour nous, il t'a dit, pérenniser, immortaliser, non Esther. Et là, nous songeons également que ça Esther, non ça, les gagner comme signification dans la Bible. Et c'est là, nous avons événement radio Esther FM. Pour nous qui toujours demandé pour qui ça nous parle de radio à Esther FM. Et je dis à moi, venez, dans le public là, devant la caméra, le journaliste là, pour moi remettre la plaque d'honneur ça à Joël Manuel, cette fleur, qui t'a accompagné au début dans la radio Esther FM. Pour te faire tout le montage, pour te acheter tout équipement dont tu as besoin. Je t'ai senti, je manquais dans le devoir, si je dis à moi, je vais honorer Joël Manuel, cette fleur. Malheureusement, il n'est pas là, mais madame, à recevoir la première salle, en nom Joël et Madame Saint-Fleur. Ma femme de Bébé Sylvestre, la va avancer, il va faire lecture, la première, avant madame Marie, recevoir pour monsieur Joël. Radio Esther FM, honneur et mérite décerné à ingénieur Joël et Madame Saint-Fleur pour sa collaboration et son support technique à la création et à l'épanouissement de la radio Esther FM. Nous sommes reconnaissants à votre égard. Créatement le 20 décembre 2020. C'est pour Naomi Pierre Charles, on va recevoir la main Naomi, et on va faire lecture avec lui. Honneur et mérite décerné à M. Pierre Charles Naomi pour sa collaboration et ses conseils à la création et à l'épanouissement de la radio Esther FM. Nous sommes reconnaissants à votre égard. Et en tout dernier lieu, moi je voulais honorer au monde qui m'a marqué pendant la radio ça. Nous songeons l'année dernière, nous étions dans les tokens, nous étions en journée de formation pour personnel là, et nous étions invités médias évangéliques dans la ville là. Et puis, nous étions venus également par un certificat honneur et mérite à personnel là. Nous étions chita avec l'administrateur radio, Daniel Ruidor. Et puis Daniel t'a dit, mais tout le monde pour nous honorer, mais tout le monde qui pour recevoir ce certificat. Et puis, nous y allons, non, pourquoi ça m'a mis non? Il dit non, PDG. On a honoré l'autre pour nous. Moi-même, ma guétan, sans égoïste. Il t'a dit, on a honoré l'autre pour nous. Donc, on est Daniel, bon amour, bon radio, c'est ce qu'il fait. Il est là, Dieu a à tout cœur. Je ne pas guetter moi-même. Plusieurs côtés à la fois. Mon besoin, le besoin d'un sport dans la Dieu, le besoin de couvrir un événement, mon déplacement pour faire. Pendant la fin d'année, ça a tellement d'invitations à mettre des cérémonies. Je ne pas honorer parce que je ne suis pas bon, moral ou fixe par rapport avec Capapapa. Et avant tout, ces dernières qui étaient toujours supportées. Depuis que je ne suis pas présent dans mon activité solennelle, je invite Daniel toujours disponible pour les remplacer. Et si je ne suis pas trompé pendant l'année, ça a été trois mariages et des cérémonies, c'est Daniel qui a fait. Il a fait une déjà. Je dis merci.
sont bons collaborateurs dans la radio. Ils conseillent, ils supportent, ils baillent tant, ils baillent connaissance pour la radio Esther FM samedi jeudi. Et pas seulement cousin, mais c'est parrain. Il y a un petit maillot. Daniel Ludor, matin, moi je voulais remercier devant le public là, devant la presse qu'il a, pour qualité et fort, pour déployer pour Radio Esther FM. Je vais Daniel avancer pendant mes vies sylvestres pour la lecture avec la bonne Daniel Ludor pour ce voir matin. À l'administrateur Ludor Daniel pour sa contribution, son dévouement et à l'épanouissement de la radio Esther FM depuis 2 ans, que votre travail ne soit pas vain dans le Seigneur. Je tiens à remercier grandement le PDG de la radio, mais pas seulement mon employeur, mais c'est aussi mon cousin, comme on l'a dit, un compère à moi. Et j'en dis non, je ne suis pas trop en amour pour la communication et la crise à la loi encore. Et c'est ça que le matin, tout ça qui est difficile pour la crise à la loi, et c'est ce que je m'en ai dit, parce que vraiment, imaginez mon témoignage ce soir, on va nous aider encore. Martin et président qui l'a fait, vous pouvez vous dire, parce que c'est vraiment difficile et déjà nous l'avons presque 2 fois par jour. Et c'est vraiment, vraiment important pour que la radio s'accapte subsiste. Parce que nous n'avons pas de une radio locale. Signal Radio Esther FM même au-delà du département de la Tripolita de toute la Nord-Ouest. Et c'est ça notre besoin qui permet que l'île déploie pour sacrifier ça. Peut-être ça matin, sa administration, milliardaire, sa secrétariat, les offrir le DGA Félix, parce que les gardés dans le salon de la Calédie, la temporalité de toute l'église de salon va passer au niveau de la vie. Radio Esther FM, honneur et mérite, décerné à M. Zéris Aspel, pour avoir consenti d'énormes sacrifices pour la survie de la Radio Esther FM durant ces 3 ans. Passer en échange dans vous et madame pasteur
s'il vous plaît, et pour passer une écharpe dans la cour Madame Esther Aurélien, accompagnée de gerbe de fleurs à la terre. Nous connaissons une idée venue, c'est vrai, mais il faut la collaboration de tout un chacun pour la réalisation et la concrétisation de cette idée. C'est Monsieur Oteguen la tête, c'est vrai, mais il a fallu que Madame Esther Aurélien débat ce verre-là pour avoir des capables de soutien. Et c'est ça qu'elle m'a fait vraiment nous voulons honorer par ce ruban et ce gerbe de fleurs. La travail est un peu rapide. Nous gagnons, il y a un moment qui est délivré dans la vie de la tour et CFM. Nous pas délivré seulement l'évangélique, mais nous avons ouvert un problème commercial. Nous pas passé de publicité, c'est vrai, mais la radio est capable de subsister économiquement parce que des boulots en plus. C'est peut-être ça qui a été lancé. Et volet commercial là, en pire partenaire, en pire entrepreneur dans le secteur là, pour la loi, il y a des marchés collaborés avec nous, et ça a vraiment aidé nous énormément. Et c'est ça que matin, nous voulons faire un geste significatif, qui par exemple, c'est vrai, significatif à toute entreprise, toute institution qui soutenait Radio-FM jusqu'à moment où il y a.